child. You may go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you, be wise. Do not let yourself be misled by doubt. For it shall bring death and the end of your generations. So be it. Let your will be done. Salut tout le monde, c'est l'épisode je ne sais plus combien du playthrough sur ce Talos Principle. Et du coup, dans les épisodes précédents, nous avons découvert des choses étranges sur cette nouvelle map. On a déjà trouvé une espèce de capsule temporelle suivie d'un truc qui m'avait complètement effrayé. Franchement, j'ai cité là, je me suis dit, putain, on dirait un ennemi. J'ai vraiment cru que c'était un ennemi. Si j'avais un flingue, je lui aurais tiré une balle dans la tête. Je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, c'était quoi ça? Je veux dire, j'en sais rien. Bref, continuons à explorer, même si j'ai l'impression que l'exploration, ça sert un petit peu à rien pour l'instant. J'explore, je ne trouve rien. Très clairement. Qu'est-ce que je suis censé faire en explorant? Parce que la zone est complètement vaste. Tu te dis qu'il y a forcément des trucs. Bon, effectivement, il y a un truc qui m'a foutu les jetons. Bref, enfin, qui m'a un peu surpris. Voire beaucoup surpris, vu le cri que j'ai fait. Par contre, Elohim, je sais pas, il y avait une phrase. Non. Au début furent les mots et les mots firent le monde. Je suis les mots. Les mots sont doux. Où les mots se terminent, le monde prend fin. Tu ne peux avancer en l'absence d'espace. Répète. Au début furent les mots. Ah ouais, d'accord. Et après, il répète la phrase à chaque fois. Intéressant. Là-dedans, il n'y a rien. Alors, en même temps, j'aurais pu mettre quelque chose là-dedans. Oh! La porte est fermée à clé. Mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière cette porte. Mais quoi? C'est intéressant. Nous essayerons de trouver une clé pour ouvrir cette porte plus tard. Pour l'instant, avançons pour la première énigme. Parce que bon, on va pas perdre notre temps à explorer. On va chercher cette pièce. Temple des fenêtres. Intéressant. Alors là, il y a un passage où il y a un truc qui est bloqué. J'imagine qu'il faut prendre ce brouilleur, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer l'autre brouilleur qui nous mène à... Oh. Ah ah. Voilà quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'il y a un troisième brouilleur quelque part? Un troisième brouilleur, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de troisième... Il n'y a pas de troisième brouilleur. Attends, Comment je vais faire? Quelque chose me dit que c'est en rapport avec... Ah ouais, mais... Ah putain... Attends. Tac. Attends, voir. Je vais prendre ceci. Ah voilà, c'était ça. Brouilleur à distance, voilà. Tout simplement. Du coup, je vais quand même aller voir là-bas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant, non? Une grille. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Bah écoutez, je vais prendre la pièce. Mais je me demande à quoi ça sert de faire ça. Tel est le but de ton existence. Mais tes choix doivent t'appartenir. Par conséquent, je ne vais pas te guider. À moins que cela ne soit nécessaire. Très bien. Très bien, fous-moi la paix, Elohim. Effectivement. Parce que tu me fais chier à parler à chaque fois que je trouve un sigil. Donc du coup... Du coup, je vais continuer. Il y a quoi là-bas? Ah, il y a juste la mer, hein. Il y a rien de... Ouais, franchement, tu explores, mais t'as rien. T'as rien, c'est le vide total. Donc du coup, je vais prendre deuxième pièce du puzzle qui est celui-ci. Les gardes... Oh putain! Ah ouais. Oh putain! Ah, 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 ah. Il fait chaud.
trouver un moyen. Je vais me mettre là. Ah ouais. Ah, il se la joue comme ça. Bah, très bien. Parce que moi, je me suis dit, c'est un truc à la con. Parce qu'il faut que je trouve ceci. Et il y a ceci. Donc, à mon avis, je pense que l'énigme consiste à prendre ceci. Pour, tout en évitant, bien entendu, la bombe. Afin de brouiller celui-ci. De prendre cet autobrouilleur pour... Putain, t'es pas sérieux. Comment je vais faire maintenant? Bon. Simple, on va le faire en deux temps. Tac. Tu prends ceci. Tu brouilles ça. Je prends ceci. Et tu brouilles ceci. Ta gueule. Ouais. Sauf que là, il y a un petit problème. Oh putain, putain, non, 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 non. N'explose pas, petit. Est-ce qu'il peut sortir? Il peut sortir. Ce qui veut dire que je peux prendre ça. Reprendre ce brouilleur. Prendre ce brouilleur-là. Prendre la pièce. Et me barrer avec la cam. Et voilà. Voilà. Et j'ai grugé des gardes, Elohim. J'ai grugé des gardes. Donc, du coup, j'explore pour rien. Je repasse par là. Et je me dis qu'il ferait mieux d'aller chercher cette... Attends. Déjà, regardons ça. Il manque plus que cette pièce. Dans ce monde. Attends. Ça fait du bruit, c'est que ça nous... donne quelque chose. Partie 2. Ah ah. Ouais, commençons. Le test. Alors, étant donné que seuls les citoyens peuvent être des personnes, un ermite ne peut pas être une personne. Bah si, un ermite est un citoyen. Une personne n'est soumise à aucune autre autorité que celle à laquelle elle consent de se soumettre. Attends, une personne n'est soumise à aucune autre autorité que celle à laquelle elle consent de se soumettre. Mais bien sûr que si. La qualité de vie des personnes devrait être maximisée. Qu'est-ce que c'est que ces questions de test? Oh mon dieu, là on part sur du philosophe, je vais répondre au pif. Alors, c'est marrant, ça fait un spaillet. Donc du coup, la valeur est une chose qui se découvre. Oui. Les gens méritent les talents avec lesquels ils sont nés. Pas forcément. Enfin, ça dépend sur qui. Bien entendu, la liberté des personnes devrait être maximisée. Trop de liberté, c'est de l'anarchie. Donc, la valeur est une chose qui se crée. Ça dépend du contexte. Donc, le procédé des mains de dernier, vous recevez une notification lorsque vous venez aurait été créé. Merci. Merci, merci, merci. Du coup, je me casse. Et je vais aller... Oh, what the hell? Ah ah! Et c'est intéressant tout ça! Bon, je vais aller là. Et on va voir ce que c'était ce truc avec le panneau qui était détruit plus tard. Ah! Ah ah! Alors pourquoi on nous demande d'ouvrir carrément ce truc? Tac, non. Je voulais détruire, voir si en fait ça pouvait détruire la tourelle. Mais... Oh putain, mais attends, je suis con.
peu brouillé, même éteint, voyons. Voilà. Et ensuite, tu vas derrière cette tourelle, tu prends ça, et observons le résultat. Et voilà. Alors ça, c'est du génie. Détruire les tourelles, je dis oui. J'adore la destruction de cette tourelle. Bref, donc maintenant que nous avons fait ça, nous avons eu un panneau juste avant. Ce panneau, pour être exact, c'est censé représenter quoi, ce panneau? Oh, qu'est-ce que... Salut mon pote. Tu vas là. Là, d'accord. Oh, je le suis. Je le suis, ça peut être un indice. Ça peut être un indice. Là. Mais tu essaies de me montrer quoi exactement? Mais... J'avoue ne pas trop comprendre. Alors, un panneau qui est au sol. Des types complètement gelous qui apparaissent aléatoirement, qui fouillent de manière aléatoire. Ça semble suggérer quand même quelque chose en plus de toutes les pièces que... Oh! J'ignore si le document sur les terminaux sont tous ceux qui restent d'archives plus vastes ou sont été soigneusement conçus pour transmettre une vérité cachée. Va savoir. Donc là, il y avait quelque chose quand même. Mais il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Mais en tout cas, je me demande. Il doit y avoir quelque chose. J'entends. Je les entends d'ici. Hein. Ah. Ah, d'accord. C'était ça le bruit. Je pense que c'était ça le bruit. Ouais. Ouais, c'était ça à mon avis le bruit. D'accord, ça explique tout. Donc maintenant cette porte. La porte est fermée à clé. C'est quand même intéressant. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'ouvrir cette porte. Ou d'accéder à cet endroit. Parce qu'il y a quelque chose de caché là. Je suis sûr à 100%, il y a un truc caché là. Et ça me perturbe de ne pas savoir. Ça me perturbe. Je sais pas quoi faire de cette porte. J'ai entendu un arc électrique. Mais intéressant, il y a quoi dans ce bâtisse? Il y a rien. Il doit forcément y avoir quelque chose. Il doit forcément y avoir quelque chose. Je fouille! Je fouille tout! Et si je n'ai pas trouvé, je ne sais pas quoi dire. Non, franchement, je sais. Oh! J'ignore ce que c'est cet endroit, il semble que nul n'en sache davantage, il n'y a rien d'autre à faire. Que d'avancer en... Ah, c'était ça les arceaux! D'accord! En entendant tout ce que je trouve. D'accord. Ok, c'était ça les arcs électriques en fait. C'est juste la génération de ce monde. Nous sommes donc dans un monde informatisé! C'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, ce n'est pas ce que je recherche totalement. Ça, c'était les trucs de l'énigme. L'énigme! Donc, ça, on a cherché. Putain, je me demande s'il n'y a rien d'autre. Comment on va faire? Ah, peut-être avec. Ouais. Vu qu'on a toutes les pièces d'un puzzle, on va retourner dans le hall. Dans le hall principal d'Elohim. Et nous allons ouvrir une porte. Alors, il me semble que c'est cette porte. Donc, réfléchissons bien.
Un truc qui prend tous les carreaux, donc malheureusement faut bien réfléchir. On a ceci. Bah, voilà. Aussi simple que cela. Voyons donc. Et du coup, ça sert à quoi? Alors, au départ, on était au sous-sol. Tu as fait preuve de ta valeur, mon enfant. Et on va à l'étage. Et cette porte te sera toujours ouverte. Cherche maintenant les autres mondes que je t'ai donnés pour mais, que tu puisses mais atteindre y a d'autres mondes en dessous. Plus grande encore et apporter la gloire à ton espèce. Mais rappelle-toi, il t'est interdit de gravir la grande tour, car cela apportera la mort et la fin de vos générations. What? D'accord. Alors, je suis dans un autre monde. C'est pas tout à fait le truc auquel je m'y attendais. J'entends une machine. Oui. Toi. Ah ah. Donc on va commencer par ça. Bla 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 bla. Et on va faire ça. Bla 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 bla. Merci bien. Donc on a pu pousser ces documents. Et quel est donc cet endroit? Quelle est cette usine? Putain, mais c'est vachement intéressant. Ce jeu devient intéressant. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Oh! En fait, ce n'était pas des temples, c'était des... C'était des bases! Oh! Et on a d'autres... Tiens, toi t'as quelque chose à dire. Parle-moi du paradis! L'esprit et sa promenade... Mais quelle est donc cette chose? Je crois qu'il parlait de cette tour. On ne peut pas entrer dans cette tour, vraiment? Il y a un indice. Ça doit être la tour contre laquelle nous avons été mis en garde. On dirait que les niveaux supérieurs sont verrouillés. Eloïne ne veut pas prendre le risque que nous dévions de son chemin. J'y vais quand même. Oh! Je sais pas trop. Il y a un truc caché là-bas. Intéressant. On va à la tour plus tard. J'explore ce domaine. Mais on est en Arctique, dis donc. Mais c'est intéressant. Un truc de rayon bleu. Il y a quelque part un moyen avec un rayon à dévier. Qu'est-ce que nous cache Elohim? C'est très intéressant tout ceci. C'est très intéressant. Allons du coup cette tour, tiens. Avant de voir les autres... monde. Ouais, non, ça c'est... D'accord. Ça, c'est l'extérieur. Ça fait quoi si j'y vais? Ah. J'ai dit de ne pas monter à la tour, espèce que... C'est possible de détecter position sujet principal. Requête. Requête. What? Requête. Attends, Elohim est aussi un robot? Qu'est-ce que c'est que ça? Un sphinx. Y a-t-il quelque chose que nous associons plus étroitement avec l'intelligence que la curiosité? Toutes les espèces intelligentes sur Terre sont attirées par l'inconnu. Nos mythologies sont pleines d'énigmes, de mystères. Pas forcément. Ça dépend du contexte. Même le mot apocalypse signifie révélation. Hein? Il semble que nos ancêtres ont toujours imaginé que même fin, alors, je ne sais pas ce que c'est ce un truc. Mystère. Je crois que c'est... je pense que la voix que nous entendions, c'est la personne à l'origine de tout ceci. Oh, intéressant. Très intéressant. Elohim nous cache des choses. Elohim qui est aussi un robot. C'est intéressant. C'est intéressant.
Mais Elohim qui a créé un robot qui crée un robot. C'est étrange. C'est étrange. Oh, qu'est-ce donc? En revenant de la tour, je ressens une grande fatigue, une énergie fantastique. Ce que je sais maintenant me dérange, mais j'espère qu'en vivant avec ce savoir, je pourrai vous épauler, vous les géants de demain. La vue depuis ce sommet doit être incroyable. Ouais, elle est surtout... surtout flippante quand on voit ce... Où dis-tu, mon enfant? Dans ton cul! Rappelle-toi, la grande tour n'est pas pour toi. Mon cul qu'elle est pas pour moi! L'espoir d'une vie éternelle. Ah oui, bien sûr. Satisfaire une vaine curiosité. Tu as des choses à me dire? Dis-moi ce que c'est l'ornithorynx? Non, Doxyrhynchidae. Quoi? La grande ironie, t'es pas pure d'origine. Mais, d'accord. Ok, rien à foutre, je lis en mode YOLO. Très intéressant. Très intéressant. Eh ben écoutez, c'est sur ces trucs complètement étranges. Des bases en Arctique avec des bâtiments qui sont calcaires et sous forme de temple. Une tour géante qui mène à un vortex inconnu. Mais qu'est-ce que tout cela nous cache? Nous le saurons dans les prochains épisodes de ce Talos Principal. Je vais du coup aller retourner à l'étage parce que malheureusement je n'ai accès à aucun de ces deux bâtiments tant que je n'aurai pas les pièces adéquates. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de Pierre.